La planchiste était gonflée à bloc pour la finale. Dès le départ, sa rivale Maëlle Ricard a pris les devants. Malgré une descente rapide, elle n'a pu effectuer de dépassement et a franchi le fil d'arrivée tout juste derrière l'autre Canadienne. Bien qu'elle visait l'or, l'athlète de Petite-Rivière-Saint-François est loin d'être déçue. Je suis vraiment contente de la course d'aujourd'hui. J'ai respecté mes objectifs personnels. Courir ici à Stoneham, c'est toujours beaucoup de pression. C'est très différent d'une course que je peux faire ailleurs. Dominique Maltais explique que ses attentes sont toujours plus élevées à l'épreuve de Stoneham. Un groupe de Petite-Rivière-Saint-François était sur place pour l'encourager. Les spectateurs en ont eu plein la vue. Les départs étaient importants. Maëlle était en feu dans ses départs, très satisfait. Dominique avait l'air radieuse, contente de sa journée aussi. La planchiste de la Colombie-Britannique a quant à elle décroché un troisième titre mondial de suite à Stoneham. Elle était consciente qu'elle ne devait faire aucune erreur. Son amie l'a talonnée. Elle est la plus rapide cette saison, alors... On va échanger le titre. Dominique Maltais n'a jamais remporté l'épreuve. En 6 courses, c'est la seconde fois qu'elle termine deuxième. L'athlète reste maintenant concentrée en vue de son prochain défi. Il y a des choses encore sur lesquelles il faut que je travaille. Puis c'est juste bon signe en vue des Jeux olympiques l'année prochaine. Après cette performance, elle se dit confiante pour Sochi. Catherine Pellerin, à Rivière-du-Loup.